Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire parler votre ordinateur et plus précisément convertir un texte en voix. Donc c'est très simple, rendez-vous dans la description où vous copierez un petit code bizarre. Donc ce code bizarre, tout simplement, vous le copiez comme je viens de dire. Ensuite, vous ouvrez un bloc-notes et vous collez le code que vous avez copié précédemment. Une fois le code collé, vous faites enregistrer sous. Et moi, pour ma part, je vais l'enregistrer sur un bureau. Et là, va falloir lui donner un nom spécifique à ce dossier, à ce fichier. Donc, vous mettez la première partie comme vous voulez, jusqu'au point. Moi, je vais le nommer tuto. Vous mettez un point. Et à la fin, après le point, vous mettez à tout prix, c'est primordial, vous mettez VBS. Et après, ça met type de fichier texte. Mais sauf que nous, c'est obligatoire aussi. On met type de tout fichier. Vous enregistrez, vous pouvez fermer le bloc-notes. Et comme vous le voyez, ça nous donne un espèce de truc bleu, un espèce de parchemin. Vous double-cliquez dessus et il y a une case en anglais qui va nous dire « What do you want me to say ?» Donc en gros, ça veut dire « Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?» Donc si j'ai envie qu'elle dise « Cars », donc elle va prononcer ça avec l'accent anglais, ça va faire « Cars ». Écoutez, vous allez entendre. Donc voilà, ça a été un peu long, mais vous voyez qu'elle l'a dit quand même, elle a dit « Cars ». Donc voilà, c'était un petit truc sympa que je voulais vous présenter dans une vidéo. Ça sert à pas grand chose, mais c'est un peu pour le fun. Je trouvais ça drôle et je voulais vous montrer comment faire. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout l'ajouter dans vos favoris. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter où vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus actifs. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. ¡Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza lotita. Cada vez que la veo se mojan los labios, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste. Me dejaste solo, mujer muy mala, dime qué tú me hiciste. Don't forget me, baby, do you remember me? Por favor no te vayas, mi nena querida, y apiádate de mí. No sé lo que pasa si...